Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Aïe. Non, parce qu'il va peut-être revenir. Attends, viens. C'est reportage, caméra cachée. Reportage, regarde là. Là, là-bas. Là, il y a un voisin tout nu. Là, il y a un exhibitionniste. Là, il y a un exhibitionniste. Et là, en derrière, il y a les beaux mecs. Il revient pas. Il a eu peur de nous. Eh oui. Boum, tchou, waouh. Une belle ma fenêtre. Hein. Alors, l'architecture de la fenêtre de Marine. C'est un PVC assez épais qui laisse pas passer les bruits. Épais. Ouais. Mais c'est épais. C'est le must du épais, quoi. Mais c'est le plus. C'est clair. Eh mais attends, mais il a trop peur là. On aperçoit une tête. Ouh là là, comment bien là. Peut-être n'est-il pas mort. N'est-il pas mort, hein? N'est-il pas mort. C'est moi bien. Comme Baltimore. Exactement, Catherine. Ouais. N'est-il pas. Ah, on a revu la tête. Oh, il est repassé. Non. Eh, mais il va trop nous prendre pour des voyeurs. Tu sais. En plus, ouais, moi, c'est moi qui a fait le jeu. Non, c'est clair, on reviendra. Si, on reviendra. On reviendra exprès pour voir le voisin d'en face. Si tu nous refais cuire des saucisses. Ouais. Du poisson. Bon, voisin. Hey, mon ami. Tu veux pas montrer toute belle face comme ça, la caméra, là? Tu veux pas venir manger des potates? Tu manges des potates? Oh, il a potates. Quoi? Il a plus. Qu'est-ce que tu dis, toi, petite bouche? Il a plus. Pourquoi tu filmes le trottoir, du coup? Ben, parce que je suis pas si mouillée. Ok. Il a plus. Il a plus. On va entendre tout le son, là? Yes. Ok, c'est cool. L'avantage avec nous, on raconte bien de la merde depuis tout à l'heure. Eh, mais non, mais reviens. C'est pour la caméra. Comment? Allez, voisin. Le pire, c'est qu'on voit les ombres bouger, alors il est juste derrière. Ouh. Je vois un bras. Un bras. Un cœur. Je vois un bras. Oh, je vois une jambe. Un bras. C'est ça, Marine. Non, en fait. Oh, je vois un bras. Oh, mais je vois un bras. Vaut mieux que ça soit un bras. Enfin, parce que là, on voit pas trop. D'accord, Marine. Ça peut être un petit bras. Mais oui. Tu non, trouves parce il a qu'on des a particulièrement fait petits bras ou une particulièrement grosse bras. Si, moi je fais des commentaires de côté. D'accord. Alors, votre avis sur la question, monsieur. Je trouve l'homme de bord là, il est un petit peu timide. Ouais. Il ne peut pas venir comme ça à la fenêtre. Il ne veut pas venir manger des pizzas. Tu ne centres pas très bien parce qu'en fait, avec la moitié des visages de Marine. Excuse-moi, Carrie. Nous sommes en train d'espionner en ce moment le voisin du numéro 1 bis rue Laennec en Nantes. En Nantes. Mon cher voisin. Son cher voisin, un top canon. Qui fait pousser des petites fleurs sur son jardin. Vous voyez, là. Qui regarde sur veille tout le temps en temps. Ça. Il est là. Là, il est trop belle. Mais tu peux pas revenir, le bonhomme. Allez, monsieur. Sors ton chat. Ça fait déjà 4 minutes 40 minutes. Il a des rideaux avec des chevaux. C'est vrai? Oui. On dirait des éléphants. S'il te plaît, la tête un petit peu. Toi-même. La suite du prochain épisode. Salut.